hein. La dernière fois, troisième à Montier. Oui, course correcte. Bon, pas peut-être pas une course très sélective, mais bon, c'est une bonne course. J'avais une bonne place. Bon, j'étais un petit peu gêné dans le dernier tournant. Ça m'a un petit peu contrarié pour ma fin de parcours. Je pense que j'aurais été certainement second du cheval à Alain Laurent. Bon, je me suis retrouvé troisième, mais bon, le cheval m'avait bien plu. Auparavant, c'était un cheval qui était mi-figue, mi-raisin. Est-ce qu'il a été rassurant? Et cette course m'a un peu rassuré. C'est vrai que bon, la dernière fois, l'an dernier, il avait fait des courses assez sympas. Cette année, j'ai du mal à le retrouver. Montier-Ander, c'était pas trop mal. Donc, rassurant. Donc, une confirmation attendue, je dis. Ouais, bon, c'est pas les mêmes hippodromes. Hein. La Capelle et Montier-Ander, c'est pas trop comparable. Mais bon, j'espère qu'il va bien courir. Amida Lagiel, depuis qu'on l'a revu là, pareil, on n'est pas convaincu. Et vous? C'est vrai qu'elle m'a fait une belle course au printemps à Mokanchi, on était en seconde. Et là, je viens de la courir deux fois à la Capelle. Bon, la première fois, elle n'était peut-être pas trop prête. Donc ça, elle est excusable. La dernière fois, j'avais un parcours en or. Pas peut-être trop gourmande pour finir. Demande à être vue. Le driver sera changé, ça sera Joseph Verbeek, donc ça va peut-être être améliorateur. Est-ce qu'on a changé quelque chose le matin? On a essayé de la réveiller un petit peu ou Non, mais la réveiller, vous savez, c'est du moins qui était un peu spécial, un petit peu sur le gaz comme ça. Alors la réveiller, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution, hein, avec des jeunes chevaux comme ça. Non, mais bon, déjà, bon, bah, Joe, c'est un plus, mais bon, vous savez, la Capelle, c'est très sélectif, 2007, c'est peut-être pas trop sa tasse de thé. Je suis un petit peu réservé. Donc pour jeudi, la Capelle, ça s'annonce pas sous les meilleurs auspices, vu l'anneau, peut-être une petite place? Ouais, non, franchement, je m'en vais à la Capelle avec deux chevaux qui ont des chances plus que secondaires.